Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je me retrouve une nouvelle fois au Raz Kibel, au sommet du Raz Kibel. Parce que la dernière fois, j'ai pas pu faire la boucle en entier, j'avais plus de batterie sur mon GPS. Donc voilà, j'ai décidé de remonter et de faire la deuxième partie, voir un petit peu ce que ça donne. Donc, quand vous êtes au sommet du Raz Kibel, il y a un côté qui redescend vers Hondarribia et l'autre côté vers Pasaya. C'est ce côté-là que je vais faire ce matin. Je vous laisse en dessous le lien sur la vidéo. Et du coup, là, ce matin, on va faire l'autre côté, direction Pasaya, là-bas. Je ne sais pas si on voit, enfin bref, c'est pas grave. Ok, voilà, et ben, je finis de me préparer, et puis c'est parti. Allez, let's go. Allez, on va faire comme ça. Et là, ça devrait être là. Petite vue quand même, très sympa. Et on redescend tout ça, là. On va voir ce que ça donne. Allez. Fais attention, j'ai vu des marcheurs. Wow. Pas évident, hein, ces petites roches en dévers qui glissent en plus. Bonjour. Hop. Hop, hop, gracias. Allez, on continue. Ah, c'est sympa, hein, le chemin. Allez, une petite marche qui s'enroule. Voilà, petit caillou extérieur. Ah, ouais, c'est fun. Allez, je vais prendre là. Hop, oh, oh. Ah, ça remue, hein. Attention parce que l'espèce de sable. Ouais, très sympa. Ok. Ouais. Attention là. Je croirai sur le volcan, quoi. J'imagine que c'est... Ouais. Bon, ben voilà. Première spéciale. Très sympa. On quitte un peu l'alpin pour rejoindre de la forêt, j'ai l'impression. On est sur le GR. Alors là, attention quand même. Ouais, tranquille. Un peu de vitesse. Pas beaucoup de pentes. Allez. Alors attention. Ouais. Un petit passage tactique, mais facile. Si tu prends la bonne trage, easy, il n'y a rien de compliqué. Allez, on accélère un petit peu. Ouais,
Alors ça, je sais pas c'est quoi, une espèce de barrage planche. Très joli. Je sais pas. Du gravier. On continue, moi, je pense. Allez, fermez le suspat. Ça a l'air d'être un petit peu raide. Allez, on se retrouve à où? Pas longue, mais intense. Là. Oh. Ok. Allez. Allez. Ah. Il est chaud celui-là, il est où, il est où, il est où, il est où. Eh ben, ça monte, ça descend. Ah, un petit château. Allez, on doit descendre un peu dans la forêt. Bon, ça n'a pas l'air d'être très technique. Mais, les fils tous, voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? On se méfie, on ne connaît pas. Voilà. Ah putain, je suis pas chaud ce matin. Présente. Allez, on se le tente. Ouais, il passe. Allez. Bonjour. Bonjour. Petite grimpette. Bonjour les filles. Et monsieur. Ah, je vous suis, hein, moi je suis passé par là. Allez, allez, non, non, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Ah bah c'est gentil. On n'est pas français, donc on parle pas, nous. Ah, vous êtes belge. Voilà. Eh oui, la Belgique. Ouais, ouais. On est repéré. On est repéré. J'ai senti un peu la frite. Ouais. Il y a une petite odeur, hein. Allez. Allez. Voilà. Oh, c'est joli, hein. Moins pour les yeux. Ah là, il va y avoir de la vitesse. Là. C'est large. Il n'y a pas l'air d'y avoir trop de difficultés. C'est là. Ok, il est là. Ok, waouh. Bien vu. Nice. Bonjour. Allez, ça continue. Ah, on rentre dans une forêt. Cailloux, racines certainement. Sympa ce petit chemin là. Ouais, ah ça va être joli là. Ouh. Alors, qu'est-ce qu'on arrive ici? Hop, un petit crochet des verres. Ouh. Alors là, c'est pas que c'est compliqué. J'ai pas envie de tomber là. Enfin, c'est un peu compliqué quand même, parce que c'est une roche en dévers. Donc là, si tu tombes, ouais, c'est très joli en face. On va avoir un beau point de vue, je pense. Hop, 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 voilà. Tu peux avoir un mal à tenir. Con la bici. Con la bici. Si, vas a tener la que le va a mitad tiempo à l'ombre, parce que no vas a poder pasar. Aquí nada, un poquitín hasta ahí. Y luego ya los vas a tener mal. Ok. Te aviso por si acaso. Gracias. Alors, il m'a dit exactement. Je n'en sais rien du tout. Waouh, magnifique. Oh, bah alors là, mon gars.
C'est beau. Ah, c'est joli, hein. Allez, petite photo. Et on repart. Ouais, voilà, exactement le genre de passage où... Tranquilo. Ok. Attends, bon, bah là, c'est un peu la merde. Un super trail. Mais... pas sûr qu'il passe à vélo. Hein. C'est un peu serré quand même en vélo. En espérant que la fin soit plus adaptée quand même. Oh ouais. Bon bah en tout cas c'est joli hein. Bon, ok, ben voilà. Petit portage en descente. Alors là, ma courante, on va se mettre côté ma courante et le vélo de l'autre côté. Oh ça va. Non, ça va, ça va. Ok, bah là, tu vas faire le con. Moi, j'ai regardé la carte. En fait, c'est moi qui me suis trompé. À un moment, il fallait quitter le GR. Et j'ai pas vu l'intersection. Je suis peut-être allé un peu trop vite. Voilà. Ouais, c'est joli. Génial. Très, très joli. Bon ben voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Alors concernant le parcours, donc je me suis trompé à un moment, j'ai suivi le GR alors qu'il fallait pas, du coup je me suis retrouvé sur une crête qui passe pas en vélo, c'est assez dangereux, donc faites ultra attention si vous voulez faire le parcours. Au moins cette vidéo vous montrera qu'il faut faire attention à un moment à l'intersection, faut prendre à gauche et pas suivre le GR en face. Je vous laisse en lien la trace GPS. Voilà, comme ça, si vous voulez le refaire, ça vaut le coup. Hein. C'est vraiment très joli. On arrive ici, petite baignade à la fin. Voilà. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.